au Portugal, où il aurait célébré son anniversaire, David Hallyday aurait été appelé à la rescousse par sa belle-mère, Laetitia, censée être ruinée, et sans le sou après avoir dilapidé une partie de l'héritage du taulier. La vérité éclate. Le magazine Olé donnait des nouvelles peu rassurantes sur l'état des finances de l'auveur de Jean-Claude. Sa situation financière ne serait pas reluisante en raison de ses énormes charges fixes en lien avec l'entretien de ses nombreux biens immobiliers. La résidence de Marc la Coquette en région parisienne lui coûterait la peau des fesses. Et elle serait confrontée à une situation similaire avec son île Pacifique Palisade en Californie. Elle s'acquitterait de près de 500 000 dollars en impôts financiers. Et pour ne pas arranger les choses, son conflit autour de la succession risque de durer des années. Et ce serait la raison de son appel au secours à David Hallyday et Laura Snell. Olé prétendait qu'ils étaient sur le point de répondre par la positive. Mais c'est de la toxe à faire. Appelez choisir un avocat de David Hallyday, convaincu que Laetitia Hallyday n'est pas dans une situation financière périlleuse. La mère de Jade et Joie est même soupçonnée de cacher un joli pactole dans un deuxième trust à son seul nom. Dans le passé, le Figaro assurait que Laetitia Hallyday détenait un patrimoine personnel estimé à 15 millions d'euros. Ce chiffre n'a jamais été commenté. Article similaire.